c'est la réception des World Skills Session France. Donc c'est un très grand événement aujourd'hui, il y a plusieurs ministres qui sont là. Et évidemment, les CCI sont là également. Les réseaux de partenaires tels que les CCI vont pouvoir nous accompagner sur déjà la découverte des métiers. C'est un élément essentiel pour créer de l'orientation choisie et éclairée. C'est un déterminant parce que beaucoup de jeunes s'engagent dans les mêmes filières. On a effectivement un choix d'orientation qui est très refermé sur quelques filières qui sont au fond plutôt connues par les jeunes. Et il s'agit d'ouvrir le champ des possibles, de déconstruire certains stéréotypes autour de certaines filières de genre. Et évidemment que ces réseaux de partenaires tels que la CCI vont pouvoir nous accompagner sur cette découverte des métiers. Je m'appelle Éléonore Barque, j'ai 19 ans. Je suis ici pour participer à la compétition nationale des World Skills en technologie et maintenant des véhicules industriels. Les épreuves sont quand même vachement difficiles, mais ça met du challenge, c'est sympa. La mécanique poids lourd, c'est génial et on découvre et c'est en pleine évolution. Il y a toujours plein de nouvelles technologies qui arrivent, donc il y a beaucoup de gens qui sont surpris que je fasse ce métier, mais pour moi c'est accessible à tout le monde, il suffit juste d'être déterminé et tout le monde peut y arriver. Je m'appelle Romain Deperne, je suis étudiant à la CCI d'Avignon. Je suis en master en cybersécurité. La cybersécurité, c'est pas commun, c'est pour ça aussi que ça a un côté excitant. C'est nouveau, c'est moderne, mais en même temps, c'est partout. Les autres régions en cyber, je suis pas sûr qu'il y en ait, je pense qu'on est les seuls. Du coup, c'est à nous de montrer que le réseau CCI, il va finir premier. On se retrouve du coup dans un an pour les internationaux, avec grand plaisir. C'est beaucoup d'émotions, ce sont des jeunes qui sont tous engagés, passionnés par leur métier. Et c'est cette passion qui va les conduire sur la voie de l'excellence. Et donc il est très important que ce goût de l'effort, ce goût du travail, ce goût du dépassement de soi, nous puissions l'inculquer aux nouvelles générations. Et bien entendu, pour emmener toute une nation comme la France, il faut des exemples. Et donc les CCI, nous nous positionnons comme des exemples pour l'ensemble de la nation.